Bonsoir les enfants. Est-ce que ça fonctionne? Ça marche ou pas? Oui, ça marche, non? Bonsoir, bonjour. Bonsoir, ça. Autre jour. Ah, ferme ta gueule. Alors, attendez voir. Encore des trucs qui déconnent. Il y a tout un tas de Viet Cong à oui, buter. Ça marche, oh, non? Oh, ferme ta gueule, s'il te plaît. Très marrant, la conf switch, j'attends le re-upload sur Malaise TV. Bonsoir à tous, salut Pouet Pouet, salut Mathéo, salut Akai, salut Dodo, salut Daffy Dan. Daffy Dan, ça fait 1000 ans que t'as pas vu sur un live. Salut Youpin, salut Game Over, salut Hunk, salut Geek Gamer Guy, salut Saint Mathieu. J'en ai oublié, je crois, il y a encore des gars qui traînent. David, Snake, salut Lenny. J'ai dit bonjour à tout le monde, je crois. Eh, c'est pas mal, hein. Alors, en tout cas, tout le monde, enfin, les gens qui parlent. Hein. Donc, je peux regarder les gens qui sont là. Eh, on est pas mal. On est pas mal. Bon, bah, salut à tous, hein. Super odeur, salut à toi. Donc, on est parti, hein, sur Chinmu, sur la Dream Coast, sortie en 92. Donc ouais, Shenmue quoi. Bon, je me suis dit que de toute façon, il fallait bien qu'on s'y remette à Shenmue. Parce qu'il faut le finir. Hein. Avant au moins la sortie du 3. Ce qui serait cool. Aku n'est pas là. Ah ouais, merde, il n'y a pas Akuma. Bah, il y a Geek Gamer Geek qui peut peut-être m'aider. J'ai vu ta rediff, je savais que tu adorerais aérer les livres. Bon, en vrai, vers la fin, ça va. Je me disais, c'est sympa, mais... Bah non, mais c'est vrai que c'est chiant, quoi. Mais bon, bref. C'est pas grave. Alors, attendez, j'allume les néons. Voilà. Ok. Attendez, faut que je configure un peu tout ça. J'ai pas mangé, donc... Je sais pas si je vais me faire à manger ou pas. Ou... Parce que là, si je me commande une pizza... c'est mort, de toute façon, 21h22... Ça va être dead. Donc je verrai, je sais pas. Salut Dexera, salut Beherit. Salut Infâme Chris. Bon site, t'as pas eu mon colis, c'est normal. Grosse grippe de 2 semaines, j'ai pris du retard. T'inquiète mec. T'inquiète. Y'a aucun souci. Moi-même, je dois envoyer un colis à Erasul, je crois, depuis Milan. Ou à toi, peut-être, Hunk. Bref, je sais plus. Et je l'ai toujours pas envoyé. Hein. Putain, ça me casse les couilles. Il faut que je le fasse. Faut que je le fasse, donc je vais essayer de faire ça rapidement. Les magasins ferment à 16h. Les vrais, ils restent chez Seed, ils vont pas chez LMC. Ah, il y a LMC qui stream en même temps. Bon, de toute façon, bon. Qu'est-ce que je te dise, hein. Moi, j'essaye toujours d'être carré, de pas streamer en même temps qu'eux, mais bon. C'est pas grave. Je m'en bats les couilles. Allez. Donc, attends, je mets bien le micro, parce que le machin, il y a un pet dedans. Ok. Il faut que je lance le jeu. Hein, ça serait plutôt pas mal, je pense. Ah, il y a une orbe là qui vient de tomber. Alors oui, je voulais faire un live question-réponse sur la vidéo des fantômes là. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je pense que je ferai peut-être pas un live du coup, mais j'essaierai de faire une vidéo avec Marc là-dessus. Alors si vous avez pas le son, c'est normal. Hein. Attendez, juste que je lance le jeu. Voilà, je lance le jeu et puis on mettra... Voilà. Je pense que ouais, je ferai une vidéo avec Marc pour ça. On fera une vidéo où on répondra aux commentaires, surtout qu'il y a sous la vidéo certains commentaires avaient l'air intéressants. Alors attendez, capture de vidéo, ok. Juste mettre pause, voilà. Hop, Dazzle. Jeter champ. Ouvrir crossbar. Audio. Ok. Ok. Voilà. Toc. Et du coup. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Je vais juste la décaler. Et on est good.
Bon, dites-moi, hein, si le stream est correct, si ça rame, etc. Je vais envoyer un message à mon frère pour lui dire que je stream, même si il devrait être au courant, mais bon, dans le doute, on sait jamais. Voilà, on est good. Il était comment le vin de cerise? Très très bon. Très très bon, poète poète. Bon, du coup. Ah oui, on faisait des paris là. Ah putain, attendez, je sais plus comment c'était. Je sais plus ce que c'était le truc. Dégamega! Alors attends, on va faire ça. C'est vrai qu'il fallait que je récupère du fric. Dernier truc qu'on avait fait. Alors, Max. Ok. Et je vais placer ça sur le. Sur le fat, le big. Kokoda. Allez, on va voir. Ouais! Ah, quoique non. Non, je pense pas. Ah, c'est un small. Je fais de la merde, je recommence. Geek en chien sur Julia pute. Moi, je la trouve laide, hein, cette gamine. Je la trouve, ouais. Je la trouve vraiment vulgaire et. Mais bon, après, j'ai rien contre elle. Mais je la trouve vulgaire. Je trouve elle est très gentille. Bon, comme je regarde pas vraiment ce qu'elle fait, j'en ai rien à foutre, mais. Alors, donc, ok, donc ouais, le vin de cerise était cool. C'était cool. C'est pas plus pratique de gratter un morpion ou beaucoup plutôt que de faire chier la moule à lancer les dés. Bah, le truc, c'est que là, tu as déjà vendu tes figurines dans un pawn shop. Je sais plus, mec. Je sais plus. Mais on m'avait dit la dernière fois que j'ai streamé, donc la semaine dernière, qu'il fallait que je. Il fallait que je fasse des paris pour gagner du fric. Et il fallait que je trouve des paris à 1000. Mais je crois qu'on m'a dit que les paris à 1000, c'était plus tard dans le jeu. Donc bref, là je vais retenter un coup. Il est où le gars? Ah, il est là. Je vais retenter un coup là. Dégâts, allez. Alors, la mise, je vais mettre ça où? Allez, un big. Big en général, ça marche bien, mais bon. Oh merde! Oh! Nickel, un big. Excellent. Yeah! 1800 balles? Bah, en fait, tu gagnes quoi? Tu gagnes même pas la moitié? J'ai mis 500. Ah, j'avais peut-être pas 1500. Quitte, je vais save un coup. L'argent, c'est pas vraiment utile pour la suite du jeu, à part si tu veux collectionner tous les amiibo du jeu. Bah, apparemment, on m'a dit qu'il fallait que j'ai je sais plus combien de fric à la fin du jeu pour faire je sais plus quoi. Non? Bon, sinon, on continue le jeu. Là, je sauvegarde et puis on est reparti, quoi. Bon, attends, je vais juste baisser un peu la qualité parce que là, ça rame. Voilà, on va se mettre à 500, ça va redescendre tranquillement. Ok, bah vas-y, allez. Allez, on se casse de là. Les mini-jeux aussi chiants que les. Ouah. Ah ouais, d'accord. Tu auras besoin de fric à un moment. 50 000. Ah, voilà!
Ouais, non, c'est là, c'est le bordel. Apparemment, il faut du fric. Mais apparemment, bientôt. Bon, de toute façon, on verra bien. Je sais plus du tout où je suis là. Bon, attendez, je vais juste regarder ce qu'il faut que je fasse parce que je me rappelle plus. Un morceau de papier, il y a des symboles dessus. Découvrir la signification de papier, demander à l'antiquaire. Ah ouais, c'était ça! Trouver antiquaire, quartier de Wiseman et collectionneur d'antiquités, j'imagine. Ok. Ok. Alors attends, par contre, du coup, il faut se barrer de ces putains de d'entrepôts à la con là. Déjà, c'est pas là. Ah oui, c'est derrière. Tourne-toi. Voilà, c'est par là. Bon, cite ton verdict sur la Z-Switch. Ah oui, la Switch. Alors bon, mec, je te cache pas que ça m'emballait pas des masses. Mais là, en sachant que le Zelda il sort en même temps, je sais pas. Mais je vais peut-être. Je sais pas, je verrai. Si je peux, je me la prendrai Day One. En mode le 3 mars, là, je prends la Switch avec Zelda. Et j'y joue comme un fils de pute, tu vois. Parce que juste, ça va être tellement être trop bien. Et j'ai pas envie de l'acheter sur Wii U parce que. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que ce sera peut-être un sous-jeu, tu vois. Arms où tu casses la gueule des gens avec un. Alors, ça, mec. Le truc avec les bras ressort là. Donc, ça, c'est à chier, évidemment. Mais. Non, le Mario Odyssey a l'air cool. Et le Zelda, ouais, trop bien, quoi. Et bon, après, il y a Splatoon. Splatoon 2, t'as Mario Kart 8 Deluxe. Bon, ça, c'est des jeux qu'on a déjà. Qu'on connaît, quoi. Donc, c'est. Mais le Mario et le Zelda, ouais, ils m'intéressent de ouf, quoi. Je vais prendre un pad pro à 70 euros. Je sais pas, mec, je verrai. Déjà, je vais la payer en 4 fois, c'est sûr. Donc, je verrai combien ça me fait par mois si je la paye comme ça, quoi. Salut les Todd. Ouais, donc voilà, pour le moment, je suis chaud pour prendre la Switch quand elle sort. Après, on verra. On verra. Ça se trouve, sur le moment, je me dirais, je m'en bats les couilles et je le prendrai sur Wii U, le Zelda. On verra bien. Xenoverse 2, ouais, j'ai vu ça aussi. Mario Open World. Ah, moi, ça me fait bader, hein, parce que ça me fait penser à Sonic Adventure. Le délire avec les êtres humains et tout. Donc, attention. Attention, parce que Sonic Adventure, moi, j'ai pas aimé. Personnellement. Bah, bon, de toute façon, j'aime pas Sonic déjà de base, mais. Si, il y a le nouveau Sonic là, qui va sortir en 2D là. Bon, qui a l'air sympa, mais bon, c'est un Sonic quoi. Mais ça, je le pense que ça peut être cool. En vrai, le Mario Odyssey, s'il y avait que un délire dans le. Avec des humains là, où le mec il saute sur des taxis et tout. Attention quoi, parce que c'est vraiment un délire bizarre. Mais ça peut être bien, ça peut être bien. Mais heureusement, il n'y a pas que le monde de la ville. Parce que sinon, ça. Ah, sinon, j'aurais vraiment badé quoi. Tu pourrais jouer sur la terrasse de tes collègues. Grave. Bienvenue. Arthur, 20 balles pour changer assiette. Pas changer assiette pour fromage. Merci Arthur. Merci mec, tu déchires. Ah oui, vous avez vu, j'ai remis la farandole évidemment. Parce que là, les gars, c'est obligatoire. Merci à toi mec. Hein. Je sais pas qui tu es. Hein. Bon, évidemment, j'ai apprécié la référence à Kaamelott. Mais je ne sais pas qui tu es donc. Merci à toi. Merci à toi. 20 balles, bon bah ça paye un bout de la Switch. Merci. Moi ce sera Day One cash si Monsieur Carrefour me file un petit peu de fric. Le délire Sonic ça passe avec des humains parce que l'univers est plus réaliste. Bon je dis pas que c'est tiré d'une histoire vraie. Hein. Même pas un petit bonsoir. La farandole le retour. Ça m'avait manqué. Ouais Mario Odyssey, ouais il est joli. Après, c'est pas un truc de ouf non plus, tu vois. C'est un truc. Graphiquement, voilà, c'est pas. Bon, la distance d'affichage a l'air cool, par contre. Je sais pas si c'est un jeu qui pourrait tourner sur la Wii U, parce que bon, la Wii U, elle est un petit peu à la ramasse. Mais voilà, c'est pas un truc où tu te dis quand même. C'est pas du Mario, genre, tu sais, comme on voit les fans qui font ça sur. Comment ça s'appelle? Sur.
avec l'Unreal Engine là. Donc je sais pas exactement. Par contre, attendez, là il faut vraiment que je retrouve un plan. Parce que je suis perdu encore une fois. Il y a deux trucs que je dois trouver. Un truc d'antiquaire, le Wise Man quartier là. Donc on va regarder ça. Oui, je sais. Alors, les quartiers. Ok, Golden Trou du cul, c'est pas là. Merde. Bon, je sais pas où c'est le Wise Man machin. Arthur, c'est moi. Ah. Ok, Fitzel. Très bien. Bah, merci à toi, mec. Sid, Sonic, Street Fighter 2 et tous ces genres de jeux ne comptent pas tout, ça va sortir sur toutes les consoles en même temps, PC. D'accord. 20 balles, tu pourras t'acheter la Dragon pour Joy-Con. Si il tourne ici sur Wii U, suffit de voir Xenoblade Chronicles X. J'y ai pas joué, donc je peux pas te dire. Salut Redhead. Bon, je vais becter un cake aux olives, à plus. Bah écoute, profite bien de ta terrasse, mec. Ah, il faut que j'aille à Golden Machin. Golden Moustache. Putain, par contre, je sais pas où c'est, quoi. C'est encore une fois. Encore une fois, je suis paumé, quoi. Il y a des panneaux, mais. Ah, c'est là. Il y a des panneaux, mais t'es vite perdu, quoi. Parce que c'est plein de petites ruelles à la con. Bon, je pense que ce soit en face, ça risque d'être par là. Ouais, c'est ça. Ok, nickel. Bon. Ah, mais non, après, on se retrouve dans la rue. Ah, on se retrouve dans la rue, là. Ah, oui, c'est vrai que les passants, ils m'aident. Ouais, Mario, ça va être bizarre. Mais bon, faut se dire qu'il va rentrer dans des mondes parallèles et tout. J'imagine que ça va être un délire comme ça. T'as chopé les comics Walking Dead depuis le temps? Pas du tout. Pas du tout, mec. Alors. Putain, ben non, Lucky Charm. On va demander aux gamins. On va demander à des gamins. Aide le geek, bordel. Je suis possédé par le bonsoir Zelda. Fitzel, 20 balles pour changer l'assiette pour Arthur. Pas changer l'assiette pour Arthur. Merci, mec. Merci, Fitzel. Putain, mec, 40 balles, quoi. Possession du gars, quoi! Cimer, gros, tu déchires! Ah, mais ça fait quand même plaisir d'entendre cette petite farandole, hein. Franchement, elle m'avait manqué, hein. J'avoue, tu m'as donné le sein, c'était pas aussi lourd. Donc, j'avoue que je pense que la farandole, elle va encore rester un moment. Merci, hein, Fitzel, hein. Tu déchires, mec. Tout comme les chiottes, Daffy. Ah, ouais, Daffy, mec, ça faisait longtemps que t'es pas venu sur un live. Alors, je crois que tu m'avais dit que tu avais. Que t'avais un souci d'ordinateur, un truc comme ça, je crois que c'est ça. Du coup, ça s'est arrangé. Alors attends, on va demander à un gamin. Voilà, antique shop. Un antique shop. Oh, il est possédé. D'accord, le gamin il ne sait pas. Un autre gamin, s'il vous plaît. Ah mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah, excellent, elle a une interaction. Trop bien. Bon, au pire, attends. Tiens, on va demander à lui. Au pire, je vais demander pour l'autre truc. D'ailleurs, c'est quelle école de dessin que tu faisais sur Toulouse? Alors, attends. Attends, attends. Ah, c'est le. Il dit la même chose. Bon, faut plus demander à un adulte alors.
Putain, mais ils mettent pas quoi! Putain, ils mettent tellement pas quoi! Mathéo, 2 balles. Un tout petit don pour le retour de la farandole. PS, la Switch du groupe AK avec le OSP, bien sûr, sauf pour les fanboys Nintendo qui me cassent la couille. Merci Mathéo. Ouais, bon, après, chacun pense ce qu'il veut, hein, de la Switch, hein, pas de problème. Moi, c'est vraiment pour le Zelda si je la prends. Mais... Enfin, je verrai parce que c'est bon, c'est quand même 330 balles. En ce moment, voilà, c'est chaud quoi. Donc on verra. Oui, du coup, Hunk, alors je faisais une école de dessin. C'était pas vraiment une école de dessin et c'était pas du tout à Toulouse. Donc j'ai fait une école à Nevers. J'ai fait mon. En fait, c'était une école de. J'ai fait mes années lycée à Nevers, au lycée de la com, de la communication. Qui s'appelle. C'était le lycée. Putain, mais c'est pas par là! Putain! Attendez. Les gars, je suis perdu là, ça y est. Je suis repaumé là, je sais plus où faut aller. C'est le lycée Alain Colas, voilà, de Nevers. Et sinon, j'ai fait un BTS à Chaumont, au lycée Charles de Gaulle. Donc, il était un lycée, mais il faisait aussi des BTS. Et voilà, et à Toulouse, j'ai fait une fac de japonais. Voilà, donc. Voilà. 330 et 70 euros le Zelda. Non, non, le Zelda, 60 balles, 50 balles, arrête. Moi, j'achète pas Micromania le Zelda. Life payant maintenant. Bah, non. Je demande à personne de me faire des dons, mec. Hein. C'est pas une obligation, super odeur. Pourquoi acheter une PS3? Pourquoi les jeux? Parce que la vie. Putain, je suis perdu, les gars. Je sais qu'il faut que j'aille truc de papier, là, mais... En fait, faut que je trouve le quartier, quoi. Bon, on va continuer, je vais aller tout droit. En fait, faut que je trouve le truc d'antiquitaire, le quartier d'antiquitaire, mais je sais pas où il est. Wise Men, je sais pas quoi, là. Mais je crois que c'est... Attends, on va aller voir là-bas, j'y suis pas allé encore. Putain, si c'est pas là, bordel à cul, je sais pas où c'est. Hein. Ça t'arrive de descendre sur 3? Pas du tout. Quand tu sais pas, tu dis Général de Gaulle. Eh bah, parce que le mec, le connard lambda, il le connaît, le gars. On, il sait qu'il avait plus ou moins une émission de radio pendant la guerre. Jean Jaurès, la fac? Non, c'était la fac du Mirail. À Jean Jaurès, il n'y avait pas une fac... Il n'y avait pas de fac à Jean Jaurès. À Juan Jaurès. Non mais c'est un truc de ouf. Attends, ah si, je crois que je le vois là. C'est là. On est où alors? On est là. Ok, donc faut que j'aille gauche. Après re-gauche. Après je continue tout droit. Ah, ça va être compliqué, attends. Gauche. Droite. Je continue et gauche. Et droite. Gauche-droite. Gauche-droite. Allez, on va tenter. Gauche. Droite. Et c'est là, droite. Non? Monsieur Gouré. Ouais, c'est carrément pas là. Non, c'était gauche-droite. Ah, j'ai oublié un gauche. Mais c'est pas Wise... C'était pas Wiseman qui avait écrit, là. Ah, si, c'est ça. Ah, bah, c'est ça, voilà. Ah, bah, on y est. Gauche-droite. Wiseman. Eh bah, voilà, nickel. Ah, bah, oui, mais je vois en plus où c'est. Et voilà, le truc d'antiquité, il est juste là. Putain. Je parlais du fait que Nintendo rend... payant son live sur la Switch. Ah, ok, d'accord. Je pense que tu parlais de ce live. Ok, ça roule, mec. La fac du Mirail, ils l'ont renommé Jean Jaurès. Ah, d'accord, tu comprends, le Mirail, c'est trop associé à une mauvaise fréquentation. Ça va, hein. Moi, quand j'étais à la fac du Mirail, tout le monde me dit c'est la zone et tout. Et en fait, en vrai, ça va, quoi. Dessiner les encas, d'accord. Soupa Saadien Durato.
GG. Le mec, il arrive à se repérer sur un plan, ça y est, GG. Mais je suis déjà venu ici, putain! Eh, mais il me semble que je lui ai déjà parlé à cette vieille pute! Commune. Bah, je suis déjà commune, hein. Ah, non, d'accord. Attends, je sais même plus. Ah, il faut que j'aille à une boutique d'antiquité d'art, c'est ça? Plutôt? Bon, allons-y alors. Mais je crois que j'étais déjà venu ici, hein. Et là, du coup, ça m'a pas mis en plus dans le bouquin, là. Dans mon petit bouquin. Bah non, tu vois, c'est même pas écrit. Putain, du coup, faut que je trouve une boutique d'art. Putain, mais what? J'en ai pas vu, quoi. Attends, je vais demander à lui, là. C'est Vincent. Collection. Ah bah, ça doit être ça, collection. Mais what? Ils servent à rien. T'as eu des petits bugs. On va demander à. Bon, lui, c'est un homme d'affaires. Je sais pas s'il connaît. Ah. C'est la nuit. Et si l'idée de l'intro à la Harry Potter pour le Merry Christmas, c'était moi. Et le remerciement dans les godasses, merde. Putain, c'est vrai. Bah, c'est vrai. En plus, j'avais dit que pour mon débriefing de bière, j'allais remercier tout le monde pour vos idées d'intro. Puis, mec, j'ai complètement zappé. Bah merci, merci Mathéo. Mais oui, il y a des gens qui m'ont aidé pour les trucs, enfin quelques idées que j'ai repris de vos commentaires parce que mec, enfin j'étais vraiment perdu quoi. Ah, je crois que c'est le même gars lui. Hein. Tu recevras un chèque de dédommagement dans les jours qui viennent de Mathéo. Qui viennent Mathéo? Ah, faut que je suive. Tu regardes le tag DBZ que je t'avais envoyé, si t'as regardé, pardon. Oui, j'ai vu, mais alors du coup, mec, je sais pas si je vais le faire parce qu'en vrai, c'est un petit peu. Il y a beaucoup de questions qui sont les mêmes que ce que j'avais déjà fait dans mon autre tag. Du coup, bah, je pense pas que je vais le faire. Voilà. Désolé, Akai. Après, mec, si t'es chaud pour faire un tag sur Pokémon ou truc comme ça, vas-y, mec, je suis chaud, hein. Ah bah ça y est, c'est à côté. Ah mais c'est cool. Collect Antiques. Ah bah c'est là. Putain, ça va être fermé avec ces conneries là, je suis sûr. Fils 1909 Arthur. 10 euros juste pour un snap. Merci, merci Arthur, tu déchires. Un snap, de quoi tu parles? Tu m'as envoyé un snap? Tu veux m'envoyer un snap? Bah merci mec, hein. Putain tu déchires. Ça y est, on a vraiment un bon bout de Switch hein, qui est parti. Hein. Grâce à toi, peut-être qu'il va y avoir la Switch ici. Je rigole, on va. Quel ingrat ce Cid. L'idée de l'intro Harry Potter, ça j'ai déjà lu. Alors, on va regarder ça. Chawansing. Ah, faut peut-être que je trouve un martial artiste alors. Oh, faut que j'aille voir une. C'était la vieille ça? C'était qui? Je me rappelle plus qui c'était. Ah, donc faut que je retourne à l'appartement alors. Alright, let's go. Ah tiens, c'est ouvert. Dans Shenmue 3, apparemment, en taf, on devra récupérer les chiottes au carrefour de Villejuif. Et salut à tous, c'est Arthur Scoville le Scout. Ah, mais tu t'es rappelé de son nom, putain, moi je savais même plus quoi. J'avais déjà oublié ce malheureux. La vieille qui gueule. Bah en fait, j'avais fait ça pour Ludo car celui que t'avais fait qui voulait faire, il y avait des questions. Mais je peux en faire moi-même sur des trucs, mais faut trouver la motivité. Non, mais mec, te prends pas la tête, t'inquiète. En fait, comme Ludo on avait parlé dans une vidéo, je me suis dit, ça se trouve, c'est un tag qui est vraiment, vraiment différent. Mais en fait, ouais, il y a vachement de questions qui sont les mêmes. Du coup, bah, bon, il n'y a pas trop d'intérêt à ce que je le fasse, quoi.
Du coup, faut que je retourne au Yin machin appartement. Bah, du coup, je crois que j'ai juste à me barrer de là, en fait. C'est là, non? C'est la Dreamcast qui fait ce bruit. Bah, c'est la Dream, gros. Elle m'a manqué, Jeanne Calment. Ah, bah, moi aussi, gros. Alors, attends, je crois que j'ai reçu un snap. Bah, oui, c'est ça, de Arthur. Alors. Je vais le regarder en direct. Je sais pas si. Ah, vous n'allez pas pouvoir le voir, du coup. Bah, ça se trouve, il monte sa bite, alors. On sait pas. Fils 1909 Arthur, 10 euros juste pour un snap. Ah, genre, en fait, le mec il s'est filmé devant son écran avec le don qui apparaît. Ça déchire, mec. S'y met encore. Trop bien. Du coup, c'était par là, hein, je crois, les in appartements. Donc, ça devait être dans le coin ici. Je crois que c'était là, non? Pas là. Attends. On va passer là. C'était pas là. C'est ça, un yin appartement. C'est. Yin Tin South Carmen. Ah, c'est peut-être pas là en vrai. C'est là les appartements, non? Attends. Ah, c'est là. Yeah! Eh! Hey! C'était dans ma tête, hein! Bah oui, elle est là, t'inquiète. Il est là. Attends, je vais peut-être faire une save au cas où. Parce que s'il y a un QTE à faire et que je me queute comme un clasher. Tu m'étonnes, ça fait bien retrouver mes. On peut t'ajouter sur Snapseed? Bien sûr! Bien sûr, Hunk! Seed doit garder cette musique de don, Advinam Eternam. Ah, du coup, j'ai maté la vidéo de Jerry Storm où il présente sa collection de Wii U, il fait ouais, il y a mon pote Edge qui m'a demandé de faire une vidéo et genre what quoi. Et en fait genre bah je sais pas, et apparemment c'est devenu son pote. J'ai pas bien compris. Et du coup des projets fantômes, tu vas en refaire, c'est donc toi le nouveau Gus DX, truqueur de vidéos. Oui, je vais en refaire Daffy, j'ai trop envie d'en refaire. Marc aussi, il est méga chaud. Il m'a dit, mec, faut trop qu'on fasse ça. Donc, le problème, c'est que je connais pas de lieu hanté qui pourrait être dans le coin. Parce que bon, là, on était quand même, on a roulé jusqu'en. C'est 6-8, mon snap. Voilà. Tout attaché. Qu'est-ce que du coup, je parlais de quoi? Oui, on a parce que là, on a roulé jusqu'en Auvergne. Donc bon, c'était un peu loin. Heureusement qu'on n'avait pas l'hébergement à payer, puisque la proprio nous a invités. Mais du coup, ouais, enfin, si vous avez des idées de lieux, des trucs, moi je suis bien, je suis grave chaud, hein. Et vraiment, là, cette fois, avec beaucoup plus de préparation, peut-être une nouvelle caméra en plus, si Marc peut en dégoter une, et vraiment prévoir des trucs un peu plus ouf, tu vois. Parce que là, on est resté tout le temps tous les deux, etc. Et. À un moment, on s'est vite fait séparer, mais sur un étage, donc c'était un peu de la merde. Mais en vrai, on aurait dû. Il y en a un qui aurait dû rester tout seul dans la maison, un autre tout seul dans l'église. On aurait dû faire des trucs comme ça. Mais sur le moment, je vous jure, t'es un peu en bad, hein. C'est très bizarre. Et pourtant, moi, j'avais bu au moins peut-être 2-3 bières avant, tu vois, j'étais un peu chaud. Mais voilà. C'est la première porte. D'accord. Donc je suis vraiment fini au doigt. Ah bah oui, c'est la concierge à moitié, non? Donc c'est celle-là. Salut, le Valafreux. Tempo. Il faut mélanger Projet Fantôme et l'épisode Pokémon Go de nuit pour les vannes. J'avoue. Une usine désaffectée serait un lieu idéal. Ah, il faut trouver quoi. Dans la forêt à Verdun.
Ok, bah je verrai ça, je me renseignerai. J'essaye de suivre les gars, comme il n'y a pas Akuma, je veux pas faire de conneries. Putain, je sais plus. The Left Cup. Ok. Second Cup from the right. Ok. To the bottom. Ok. Then you wait. That's right. Now, don't forget the pattern. The pattern! There are other patterns that could be dangerous. Donc faut que je fasse ça dans la rue, c'est ça qu'elle m'a dit? Je place des trucs comme ça sur une table et j'attends qu'il y ait un cutard qui arrive? Je serai prudent. Il faudra aller faire le signe des tasses au Manmo Bistro. Ah bah ok, d'accord, bah j'avais compris. Guretto. Wakata. Allez, on y va. Alors, du coup, la ligne Maginot. Alors, les Geki, sa première vidéo paranormale, c'était celle chez Megiddo. C'est vrai. Ryo qui va faire le gigolo. Megiddo le maître. Le projet Blair Witch Bis. En vrai, dans la forêt, je kifferais bien. Ça se trouve, les usines désaffectées, j'en ai déjà fait. C'est impressionnant quand c'est vide. D'avoir des fantômes. En tout cas, les effets de lumière dans la chapelle m'ont fait flipper. Maintenant, je crois aux fantômes. Bah, mec. Non, c'est une blague. Youpa, il a mis un kappa. T'as mis un kappa. Signe motivé à faire le tour de France en explorant toutes les tours Montparnasse. Faudra aller faire le signe des tasses. Donc, ça, ok. Tu fais un cul de chouette dans Shenmue 2. Allez, un petit cul de chouette. On n'est pas des chevaux de trait. C'est les règles à l'Aquitaine. C'était Jeanne qui dansait la farandole dans la chapelle. La ligne Maginbou. Bon allez, on arrête les conneries. Mano, bon, de toute façon ça va être là, ça va être trop tard je pense. Quoique les bistrots c'est ouvert la nuit. Le soir, là il est quelle heure? Il est même pas 9h encore, c'est bon, ça va être ouvert. Attends, même à Sens, les bars ils sont encore ouverts. Alors là, faut pas déconner. Du coup c'est gauche. Il a mis un kappa. Hello, bonsoir. Salut, goofiste. Moi, je crois aux fantômes depuis que j'ai vu Pikachu streamer devant une personne. Bâtard. C'est un gros bâtard, quoi. Akuma, le guide, eh ben, c'est plus un guide. Ouais, il m'a lâché. Akuma, il m'a lâché. Alors que vous savez qu'il vient même me parler sur Facebook pour me dire « Hey, c'est quand que tu stream Shenmue? C'est quand que tu stream Shenmue, tu vois ?» Et là, il vient même pas, quoi. Salaud! Je sais où tu te caches! Alors, attends. Bistrot. On va checker une map, non? Voilà. Parce que c'est le fion. Petite map de la personne. Alors, voyons. Oui, je sais, merde de dire ça, espèce d'abruti. Ah, c'est là. Donc, je suis là. Oh la vache, putain, c'est derrière. Oh, quoique non, je peux faire droite, droite,
Droite. Donc, droite. Oh putain, ça lague un peu là. Alors, les lumières de la chapelle. Oui, alors attendez. C'est vrai que j'ai pas mis de. J'ai pas mis de. J'ai pas fait de plan où je parlais justement de ces lumières. J'ai oublié en fait. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo où j'en parlais. Je crois que je vais paumer le bistrot en vrai. Ah non, c'est là, c'est bon. Alors du coup, ouais, les lumières de la chapelle. C'est le fantôme qui a pété une orbe mouche. Ouais, bah évidemment, fallait rigoler un peu, hein. Ouais, les lumières de la chapelle, mec, j'ai pas d'explication en vrai. Alors, les deux premières. Je vais mettre pause pour ça. Les deux premières. Pour moi, c'est pas des insectes ou des poussières. Parce que déjà, j'ai filmé peut-être 1 heure, un peu plus d'une heure dans la chapelle. J'ai analysé tout. Hein, même dans le grenier, j'ai analysé presque 2 heures de rush dans le grenier. Il y a jamais eu de poussière comme ça, tu vois. Et même des poussières ou des insectes, on n'a pas vu. Dans la chapelle, mec, la première, elle part, elle est vraiment en bas, tu vois, et elle part vers le fond, mais tout petit comme ça, tu vois. Ça fait pas une boule qui bouge, tu vois, comme un insecte. Ça a vraiment une trajectoire rectiligne, tu vois. Donc c'est chelou, et puis tu sais, ça pop au milieu de l'écran, tu vois. Enfin, ça arrive pas de derrière, de hors champ, tu vois. Ça pop vraiment au milieu et ça disparaît, tu vois. Le deuxième, moi c'est le deuxième que je trouve plus badante, parce que c'est vraiment un espèce de bâton, quoi. C'est un bâtonnet qui fait une traînée au fond, comme ça. Et ça, mec, je t'avoue que celui-là, il m'a fait un peu bader. J'ai fait, putain, on dirait vraiment une. Ça pourrait vraiment être une forme, tu vois, mais c'est bon, c'est un petit bâtonnet, tu vois. Après, les deux d'après, c'est sur le teco, ça vient hors champ, ça peut être une poussière ou un insecte. Parce que quand on a été dans l'église pour visiter au début, derrière, il y avait un espèce de petit coffre dans le mur, une petite boîte dans le mur, et il y avait plein de moustiques dedans, de saloperies. Mais vraiment, les deux premiers, pour moi, les deux premiers, c'est un truc inexplicable, hein, franchement. Ça a pas le truc de poussière ou de bestiole. En mètre de ficelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce avec moi? Mais ça va pas de me lâcher comme ça, espèce d'ordure! Non, je vais plus voir Fred. Enfin, je le croise des fois à Sens, hein, mais j'y vais plus. Parce que j'achète plus de vieux jeux et tout. Allez, salut les Padawan! D'ailleurs, Styx s'était foutu de la gueule des chasseurs de fantômes dans sa dernière vidéo. Ouais, non, mais Styx, il se fout de la gueule un peu de tout le monde. De toute façon, je suis pas un chasseur de fantômes, moi. Moi, je fais des vidéos comme ça me fait. C'est parce que ça m'a fait marrer, quoi. Et parce que la meuf m'a proposé de venir dans la baraque, tu vois. Mais en vrai, je pense que je vais en refaire d'autres. Enfin, j'ai vraiment envie, quoi. C'est vraiment cool comme délire à faire, tu vois. Allez, on va wait. Bite honnête poisson. Si tu es un menteur, dans 6 mois, tu vas me faire une vidéo excuse pour tricherie. Quand j'ai vu le panier tomber, j'ai flippé. Mais quand je t'ai vu sortir de derrière la table, j'ai badé. Ouais, t'as de comme qu'est-ce que. Salut Hunk, à plus. L'angoisse était palpable dans cette vidéo. Ouais, refaisant, c'est cool. Puis on sait que tu cheats pas à part dans les jeux. Ouais, bah oui. Mais en vrai, c'est tellement easy de cheater. Genre, à un moment, il y a un plan où tu sais, je laisse la GoPro dans le couloir au premier étage. Et on va dans l'église pour se balader, puis pour récupérer la cam et tout. Et je laisse la GoPro. Et là, mec, en fait, sur le teco, tu sais, t'avais les maisons. Enfin, les maisons. Les chambres. Avec, genre, le noir, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est tellement easy. Je te crée un PNG noir dégueulasse, mais genre, avec un contour de un peu d'être humain. Un contour un peu flou. Que je fais juste sortir comme ça, tu vois, un petit peu. Et redescendre, tu vois. Un truc à la con. Un mouvement à la con.
Mec, c'était noir, ça se serait pas vu. Les gens auraient dit, oh, il y a une forme et tout, tu vois. Et boum, tu cheats. C'est tellement easy, quoi. Tu comptes refaire ce style de vidéo, mais seul? Bah, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Alors du coup, attends, faut que j'aille où là, il m'a dit. Green Market. Alors, putain, par contre, ça, je sais plus exactement où c'est. I need a map, I need a map. Il y en a une là, je crois, non? Ouais. Là, il y a Lucky Charm en face, mais c'est pas là que je veux aller. Oh, putain, évidemment, c'est pas écrit. Alors, je crois que c'est à gauche. En gros, je vais par là, là. Tout le temps dans cette direction, à gauche, à gauche, à gauche, ça devrait le faire. Ouais, par contre, ah oui, ok, d'accord. Voilà. La meuf, c'est son business. Tu l'as senti comment? Non, non. Alors, j'en ai pas parlé dans la vidéo parce que je considère que c'était pas intéressant de parler de ça, mais. La meuf, donc, en fait, elle m'a contacté après la vidéo que j'ai faite sur GusDX, surtout parce qu'en fait, ça l'avait dérangé que je dise dans la vidéo que les proprios avaient peut-être fait une connerie, tu vois. Avait cheaté, quoi. Et du coup, ça lui a pas plu, quoi, en gros, on l'accuse d'un truc qu'elle a pas fait, c'est ce qu'elle m'a dit, hein. Je la crois, je la crois. Du coup, elle m'a contacté en me disant, bah écoutez, je vous invite à venir par vous-même voir. Si je vous invite, c'est gratos. Vous aurez juste à payer l'aller-retour, tu vois. Et je vous invite, tu vois. Alors moi, je trouvais ça bizarre. Je me dis, bon, la meuf, je la connais pas. Elle débarque comme ça, elle me dit de passer. Bon, ok, tu vois. Et puis bref, j'en ai parlé à Marc. Je lui dis, bon, elle m'a dit que je pouvais venir avec quelqu'un. Donc moi, je me vois pas y aller tout seul. Si t'es chaud, vas-y. Et il m'a dit, bah grave et tout. Du coup, bah j'ai vu avec la meuf et tout. On a échangé par téléphone et tout. Ça allait. Et du coup, bah vas-y, on y a été. Et quand on était là-bas, en fait, elle nous a expliqué que, en gros, dans la vidéo, je disais que, ouais, que, en gros, que c'était un peu son business de faire ça et que ça allait attirer des gens si les gens croyaient que c'était hanté, etc. Alors que, voilà, pas du tout. Elle m'a dit, on vit très bien. Pour info, là où on était, c'est un petit hameau, en fait, si vous voulez. Il y a quatre baraques. Il y a une baraque principale, c'est là où ils vivent. Ensuite, il y a deux maisons qu'ils louent. Dont une des deux qui est donc la fameuse où on a été. Donc, et la dernière baraque, c'est le voisin qui est derrière. Mais sinon, donc les trois baraques sont à eux, au couple. Et du coup, ils m'ont dit clairement, on n'a pas besoin de se faire de la pub comme ça pour avoir de l'argent, quoi. On a vraiment, on est aisé, il n'y a aucun problème, quoi. Ils ont vraiment les moyens. Enfin, ils ont assez les moyens pour pas se prendre la tête à devoir faire ça, tu vois. Donc c'est pour ça, voilà, ils m'ont dit, il n'y a aucun problème, et si vous voulez même revenir, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, ils font vraiment pas ça pour le fric. Ils ont fait ça parce que ça les a fait triper, ils se sont dit, oh, on va mettre une annonce insolite, peut-être que les gens, ça va les faire marrer de venir ici, tu vois. Bon bref, voilà pour la info, quoi. Non, la proprio, elle est pas jeune. Je sais pas, elle doit avoir la cinquantaine, je pense. 40-50 ans. Peut-être plus 50, ouais. Merci mon cul. Espèce de bâtard. Qu'est-ce que tu penses de la vidéo Gus DX? N'empêche, les orbes dans la chapelle, on avait trop l'impression qu'elles se dirigeaient vers la baraque. Avec ton montage, c'était pas mal. Ça faisait monter un peu la tension. Ouais, bah en plus, surtout que mec, en vrai, ça se passait en même temps, hein, mais c'est pas exactement en même temps. Je mettais un rush de chapelle qui se passait à peu près en même temps, mais on va dire que les orbes, ça me permettait de changer de plan pour pouvoir couper un peu. Pour pouvoir couper un peu. Ah putain, j'entendais gueuler dans le. Ah oui, c'est les mecs qui font du kung fu, je sais pas quoi. Donc c'est ici le truc là? C'est ici, non? Que je dois aller? Putain, j'ai même pas regardé où j'étais, quoi. Putain, je suis vraiment con. Je crois que c'est là, un hein, Green Market.
Ah, je suis à Green Market, c'est ça. Donc maintenant, il faut que je trouve... Faut que je trouve quoi déjà? Ah oui, le come over. Putain, c'est quoi le come over, quoi? Attends, je suis con, je vais checker la map, hein, en vrai. Pourquoi je me pète le cul, hein. Le come over, good men, omen machin, c'est pas ça. Ah bah c'est là. Vers le golden trou de balle. Donc, faut que je repasse tout. Ok, faut que je retourne tout partout. Et vers la fin, il y a un passage qui va être du coup à droite. Faudrait que Marc et toi fassiez de la chasse aux fantômes complètement peintée pour rehausser le challenge. Elle est baisable. Ah, peu de respect, Youpen. Youpen tape dans le troisième âge. Elle est mariée. Alors, les vieux, les défunts des murs. C'est là où tu as passé ta première nuit. Come over guest house. Ah oui, donc en fait, Geek Gamer Guy, il est encore dans le jeu. non, c'est pas là. Non, je voulais pas aller là. C'était pas là. C'était pas là. Non, j'ai pas contacté Solange. Mais je crois qu'elle a un mec et puis... Je pense que c'est une idée débile de lui envoyer une lettre. Je pense que c'est pas forcément fun et débile, quoi. Je pense que c'est une idée un peu à la con et... Elle va plus se bader qu'autre chose, je pense, donc bon. Je verrai, peut-être que je le ferai un jour, mais... En vrai, elle répondra même pas, enfin, tu vois, ça sert à rien, quoi. Même si je lui fais un lourd truc et tout... La mère du Baoussien. Je suis la maman du Baoussien, et je l'embrasse. Alors... Mec, c'était où cette putain de truc, là? Casse-toi, la vieille! Tu casses les couilles! Ah, c'était par là, non? Tellement pas, mais tellement pas, quoi! Peut-être par là. Putain, je sais plus où c''est. Putain, mais attendez, mais y a pas la ruelle, là, où je voulais aller? Attends, ici... Oui, oui, je sais, Nictaras. Alors, attends. Hop, hop. Oh, mais merde. J'ai un pote qui avait fait ça, il attend la réponse depuis 2 ans. Pour Solange? Ou une autre personne? Les jeunes, c'est un kiff de vieux. Moi, c'est quand je regarde ces vidéos que je flippe, alors une lettre. Envoie un petit colis piégé à son mec. Son mec, c'est une rivière. C'était chiant. Une autre personne. Ouais, non, c'est... Ton, 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 ton. Un. Yo. On pourrait faire du rap sur la musique de Shenmue. Je m'appelle Ryo Azuki. Je suis posé. Je suis Nyakwe. Je mange du riz. Oh, et j'ai fait une rime. ABBA, s'il te plaît. Oh non, le travail, j'avais oublié. Mais nique ta mère.
Geek Gamer Guy, c'est quoi ces spoils là? Attention hein, on va dire que j'ai rien vu. Ah, oh, j'avais oublié que c'était de la merde. Au pire, on envoie une lettre à Ellen Page. Bah tu vois, c'est peut-être que je préfère, je devrais peut-être mieux, plutôt faire ça. Parce que au moins, tu vois, voilà, si elle me répond pas, je sais que c'est normal, tu vois. Alors que bon, Solange, j'imagine qu'elle a pas, qu'elle peut répondre à une petite lettre, oui, tu vois. Une lettre à une gameuse. Non, parce qu'après là c'est pédophilie. Hein. Surtout que je la trouve dégueulasse, donc non, jamais. T'aimes quoi chez Solange, toi, par... Perso, je la trouve insupportable. Bah, je la trouve mignonne. C'est tout, enfin, il n'y a pas de... Je la trouve jolie, quoi. Je la trouve soin. Il faut te servir de la gâchette R pour avancer en appuyant doucement. Ah, parce que moi, en fait, moi, si tu veux, j'appuie avec le haut de la flèche. Du coup, quand il me demande de faire un QTE, bah, je relâche la flèche et... Bah, du coup, des fois, ça appuie sur une touche que je veux pas. Ah, bah, attends, je vais tenter avec la gâchette, alors. C'est pas con. C'est pas con! Ah, merde. Bon, là, j'ai appuyé à gauche alors que c'était à droite. Charmant, ta merde, putain! Oui, c'est une pète sur mon fond d'écran de portable. Ouais. Ah, mais merde, j'ai mis ses faits droits. Je suis vraiment fini au doigt, quoi. Ah, ouais, une lettre frère d'Arno. Espèce de bâtard, là. D'ailleurs, Arnaud est chaud pour acheter la Switch aussi. Hein. Ah, il m'a envoyé un message tout à l'heure, le mec est possédé, quoi. Putain, on dirait qu'il est peinté, le bordel, quoi. Salut, Super Slave. Mais elle est dégueulasse, Solange. On dirait Hugo dans Final Fist... Final Fight et Street Fighter. Mais tellement pas, mec! Faut que t'arrêtes la pécole, hein! Je crois que faut que t'arrêtes de pécoler. Encore cette purge courage, Sid. Oh, ça va, mec! Ça va, y'a pire. Ah ouais, en fait, quand j'appuie vraiment longtemps, y'a un enchaînement de QTE de gros clashers, quoi. Oh putain, il faut que je... Pas tarder à bouffer un truc, moi. Bon, de toute façon, on va faire une pause. Ah, remarque, ça fait même pas une heure qu'on a commencé. Quelle espèce de bâtard! Il veut acheter la Switch, on est sûr que c'est son frère qui a un chromosome en moins. Et une roulette en plus. Une roulette, tu parles du fauteuil roulant? Bibliothécaire Simulator 17. Aérophagie. Allez, donne-toi du courage, dis-toi qu'à chaque QTE raté, tu dois lécher la schneck de Julia. Ah, ah putain. Ah mec, je vais tout réussir là, t'inquiète. Et pourquoi vous parlez d'elle en plus? Qu'est-ce qu'elle a encore fait là pour qu'on parle d'elle? Putain, c'est une musique de victime, quoi. Oh, double QTE au calme. Ouais, mais elle fait tiep dedans.
vraiment ce qu'elle demande d'elle. Enfin voilà, c'est triste quoi. Elle s'en rend pas compte parce que à cet âge-là, tu te rends pas compte, mais elle fait tiep. Elle fait tiep. Plus tard, elle se dira, mais qu'est-ce que j'étais une teupie à cet âge-là? Et elle aura pas tort, tu vois. Mais encore une fois, c'est juste sa façon d'être. Après, ça se trouve, elle est très gentille, j'imagine, tu vois. Tu regardais pas une chaîne avec une radasse à gros nibards? Non. Le monde de Loka, non, parce qu'elle a pas du tout de ça, en fait, la meuf, donc non. Une radasse à gros nibards? Je crois pas, mec. Ça me dit rien, en tout cas. Oh les gars, envoie une lettre à Loïc Reviews. Ah, j'ai arrêté de mater lui. Hein. Ah, parce que le mec, attends, il s'est fait clasher quand il a clashé PNL la première fois. Et là, pour le deuxième album, il a fait ah, oh, en fait, c'est pas mal. C'est le mec, il a tellement pas assumé de, bah, de manger ses morts, tu vois. Donc, moi, là, je me suis dit, en fait, le mec, il assume pas, il assume pas ses goûts, tu vois. Donc, c'est pas du bien joué. Loïc Reviews, c'est pas du bien joué. Allez, From Yesterday, du coup. Mais peut-être pour être pote, hein, quand je matais une meuf à Gronivar, mais en vrai, je m'en rappelle pas. Mais c'est possible, peut-être. Non, par contre, je mate les tendances aussi. Elle, c'est pareil, hein, elle est, vraiment, elle me fait un peu rêver, quoi. Bon, par contre, son copain, je comprends pas le projet, hein, mais je comprends pas pourquoi la personne est là. Mais bon, bref, je raconte lui. Mais c'est vrai que je le trouve pas dingue, le Gaki. Comparé à elle. Mais bon. Pas comparer de toute façon une meuf qui est jolie et un mec qui est pas très joli, tu vois. Tu sais, on sait pas trop comment les gens y réfléchissent, tu vois, dans leur tête. Par contre, mec, là, faut m'aider, là. Hein. Je sais plus où c'est. Hein. C'est là, non? Où est-ce que j'étais au début, quand j'ai dormi au début? Je vais me faire un thé de gay. On voit un Tipeee à From Human. Attends. Attends. Alors. On est d'accord, là je suis là. Je suis là, si je remonte. Je suis ici. Je remonte là. Normalement, c'est à gauche. C'est vers le pawn shop. Mais attendez, mais il y a un problème, quoi. C'est là, non? Putain, mais il n'y a pas de pawn shop ici. Mais c'est quoi ce bordel? Non mais y a un problème là. Il manque une rue dans le jeu. Non mais attendez, y a un truc que j'ai pas compris là. Vas-y, faut que je repère des magasins. Ah attends, le pawn shop il est là? Non? Non, tellement pas, mais tellement pas quoi. J'essaie d'aller par là. Non, c'est pas par là. Quoique. Salut Goéland. Tu regardes la carte à l'envers. Ah la vache, putain, mais j'arrive pas à me déplacer, quoi. Putain. Non, en vrai, je comprends pas. Je suis là, je redescends la rue, là.
Ah putain, attends, d'accord, là je prends à droite à chaque fois. Faut que je prenne à gauche. Ah mais c'est bien la ruelle en fait. Ah ouais, c'est ça, putain, mais je suis vraiment con. Oui, d'accord, ok. En fait, moi je pensais que s'il fallait continuer la rue principale. Mais pas du tout, Catherine. En fait, au lieu de prendre à droite, là je dois prendre à gauche. Ok. Et là, normalement, c'est à gauche, là. Pawn shop. Voilà. Donc c'est là. C'est ici. C'est ici, hein. Ou non, en face. Attendant ça en face. Putain, c'est encore. Normalement, il y a une ruelle quelque part. Ah, c'est là, non? Ça, c'est chaud, je vois que dalle, je comprends rien, quoi. Attends, je dois aller où? Et je sais. Come over, je sais même pas ce que c'est, quoi. Aller à come over? C'est tellement pas ça, quoi. Et pourquoi ils mettent pas des plans partout, là? Putain, je sais plus où c'est là, non? Y a rien écrit, tu sais pas où t'es, quoi. C'est dans une ruelle, hein. Je sais pas. Salut Grouch. Y a un gif, c'est quoi? C'est quoi ce gif, mec? Oh, je viens de péter là. T'es à côté. Ben oui, mais je sais pas où c'est, mec. C'est écrit en chinois, bordel de cul. Je sais pas lire le chinois, moi. Come over. Ah, mais si c'est là. Ah, mais c'est où? Il y a une pancarte au milieu. C'est là? Bon, vas-y, rentre là-dedans, on verra bien. Come over. Ah bah d'accord. En fait, c'est écrit au milieu de la route. C'est pas écrit sur l'immeuble, tu vois. Mais niquez vos races, quoi. 2 heures de l'après-midi. Non, mais what, quoi. Oui, bah wait alors, connard. C'est ce que je te dis. Ah, je wait. Je viens de péter, les gars, décrit toutes ses actions. Le gars décrit toutes ses actions. Putain, 7 heures. Là, dans le premier, j'aurais dû attendre. J'aurais dû attendre. Mais attends. Ah, si, c'est ça, ouais, j'aurais dû attendre 5 heures. Ah, le mec, il attend, mais genre, ça fait 5 heures qu'il est assis là. Et il branle rien. Le mec s'est décrit quoi. Wesh wesh. Manmo Park. Bon, je sais où c'est. Enfin, je crois. Quoique non, en fait, je sais pas où c'est. Bon, je sais comment aller à Manmo déjà. Le quartier de Wise Men à la con, hein. Je joue à Hitman, les postes, c'est cool. Ah, et quand est-ce qu'il sort en boîte là? Parce que moi je vais l'acheter, mais bon. Alors j'attends qu'il sorte en boîte.
Bah, ce jeu, ouais, c'est vrai qu'il se passe pas grand-chose d'intéressant, hein, je t'avoue, là. Mis à part chercher des gens et tout, c'est un petit peu du caca, quoi. Donc là, je crois que je suis en train de me barrer dans la mauvaise direction, encore une fois. Putain, je suis perdu, vas-y. On va marcher, je verrai bien, dès que je reconnais... Ah, bah voilà, donc là, c'est par là. La boîte, tu vas l'attendre, mon gars. Bah non, je crois pas, hein. Il sort en début d'année, là, en boîte. Hein. Il est prévu sur Amazon, déjà. Ah, c'est le parc avec le vieux? Ok, d'accord, moi, bah, je vois où c'est, là. J'y vais, de toute façon, c'est là où j'allais aller, donc... T'inquiète. Ah, RE7 Day One, évidemment, mec. Évidemment! Non, dans le 2, on cherche toujours à se venger. Mais entre-temps, on va empiler des livres. T'es sûr que c'est ça le parc, mec? Je suis pas sûr, moi. Lotus Park. Ouais, c'est tellement pas là, quoi. Pote, il dit des conneries encore. Ouais, faut que j'aille au... Oui, nique ta mère. Faut que j'aille au... What? Mais je peux pas zoomer! Putain de bordel de cul, faut que j'aille là-haut là. Ah voilà. Faut que j'aille ici. Au Wes machin là. Et là, après, il y aura le parc, je pense. 31 janvier, la boîte de Hitman. Ah, très bien. N'a aucun intérêt, la boîte va y avoir une saison 2. Bah non, y a pas aucun intérêt. Dans ce cas-là, ça a pas d'intérêt, je sais pas, d'acheter Walking Dead de Telltale saison 1 en boîte et d'acheter saison 2 en boîte. La boîte 31, le disque sortira plus tard. Oh putain, je sais plus moi ces mouvements là. Ah, c'est la pauvre ancestrale. Ouais. R7. Il a fait un Akai. Ah oui, le tel-tel, c'est de la merde, je suis d'accord, mec. Mais enfin, l'argument, il y a une saison 2, faut pas acheter la boîte, enfin, je comprends pas le projet, mec, c'est pour ça. Mais oui, les jeux tel-tel, moi, je trouve ça à chier. Enfin, j'ai juste fait un peu Walking Dead, j'ai trouvé ça nul à chier, mais... でも俺はまだ近づいて酒と投げを同時に行う。
Oh! Alors attends, approchez-vous de l'adversaire et appuyez sur défense et terre. Ok. Simultanément pour faire un hind blow. Attention à votre timing quand vous effectuez le mouvement. Ok. Oh! C'est ça? Oh! Akai! Bon bah voilà. Salut Marty. Salut Monsieur Titatine. Non, Monsieur Titatine, c'est Dracarys, Marty. Attention, à pas lui prendre son blaze. Comment ça va, mec? Life is Strange, on m'a dit du bien, pourtant après avoir joué au premier épisode, j'ai trouvé ça chiant. Je dois pas être le public visé. Ouais, c'est possible, mec. C'est possible. Après, est-ce que le premier épisode était vraiment lourd? Ouais, il faut peut-être... Après, ça devient peut-être mieux, je crois. Hein. Mais ouais, peut-être que si t'as pas kiffé dès le début, laisse tomber, quoi. Moi, je sais que dès le début, j'étais dedans, mais... Hein. Donc, du coup, oui, j'étais parti pour aller au Manoir, je sais pas quoi, là. Alors, attends, c'est par où? C'est là? Ouais. Allez, on y va. Là, faut pas déconner, les gars. Sid va nous régaler sur R7. Bah, peut-être que j'en ferai un let's play. Déjà, je vous ferai une vidéo découverte, c'est sûr, mais peut-être que je vous en ferai un let's play. Je sais pas, on verra. Bientôt adapté en série. Oui, putain, j'ai tellement hâte. Enfin, bientôt. Attends, mec, on a aucune info, quoi. Mon avis, dans 2 ans, quoi. On verra le truc dans 2 ans, quoi. Alors, faut que je trouve le parc. Alors maintenant, tu dois trouver une bâche. Je répète, tu dois trouver une bâche. Ah, il est là. Alors, where I am. Where am I, pardon. Eh oui, am I. Comme le mec qui faisait des dons, là. Alors, derrière. Ensuite, je continue. Ouais, je continue, ça va être sur ma droite. Je continue les rues de Tchekar. Hop là. Hop là. Qu'est-ce qu'il a, l'Ota René, là? Normalement, ça va être sur la droite. Le Manmo Park droite. C'est ça? C'est ça. Manmo Park. Eh bah, go. Site, c'est Mosinor. Ah, épisode 3 de la Fist Range. Ouais, non, en vrai, c'est lourd, tu vois. Mais si t'accroches pas au délire dès le début, c'est pas la peine, quoi. Tu vas te faire du mal. Si on devait faire un jeu sur moi, ce serait plutôt Life is Chiante. Hé, gros PD! Arnold! Je crois qu'il y a Rambo qui a eu des propos homophobes. C'est inadmissible. Allez, trouve la ficelle, mon pépère! Oh putain, ça y est. J'ai trouvé la salope de bâche.
Tu vas me morfler. Rambo, calme-toi. Oh, j'étais à fond dans Mosinor. Il a dit couille, on est d'accord. Bon, tu sais naguer. Pied dans la gueule. Je te mets un coup de pied dans la gueule. Putain. Bon, laisse tomber. Je voulais faire l'attaque de la vieille, mais j'arrive pas. J'arrive pas à la rentrer. Se taquer. Coup de pied dans la gueule. Au calme. On sent la fac d'anglais. D'accord. Il se passe quoi dans l'épisode 3 déjà? C'est, il se fait victimiser à coup de batte de baseball. Meilleur des Mawashi à ses clashières. Ah, peut-être il va péter, hein. Ah, mais il le prend pas par le col, ça marchera pas. Nani? Ah, Lucky Charm. Bon bah voilà. Tun 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 tun. Ok, bon. À mon avis, ça va être fermé là. Faut que j'aille à Lucky Charm. Putain, c'est tellement pas à côté quoi. Eh, mais c'est chiant en fait, tu fais tout le temps des putains d'aller-retour entre entre deux zones mais trop éloignées quoi. Oh putain. Ok. Si tu comptes prendre la Switch, c'est Zelda qui arrive. Oui, oui, oui. J'aimerais bien. C'est pas sûr, hein, on verra. Hein. C'est pas sûr. Tu regardes les fillers de DB Super? Non, j'ai pas maté le dernier sur Great Simon, j'en ai rien à branler. Non, c'est de la grosse merde, je mate pas ça, quoi, c'est bon. Je me suis déjà bouffé le baseball et tout, enfin, c'est à chier, quoi. Je crois que c'est par là, hein. Putain, je sais plus où c'est, en vrai. Attends. C'était pas par là? Si, je crois qu'en fait, Lucky Charm, c'est par là. Yo, Seed. Je dois être le seul à comprendre pourquoi tu as pas aimé Deadpool. Ah, bah, salut, Jim. Bah, oui, c'est... Ouais. Il y a quelqu'un qui a commenté pour me dire qu'il était d'accord avec moi. Donc, c'est peut-être toi, d'ailleurs. Je me rappelle plus du pseudo, mais je crois que c'est toi, ouais. Ouais, bah, Deadpool, moi, j'ai pas aimé, quoi. Après, en soi, il est pas affreusement mauvais, mais... J'ai fait exprès de le mettre dans le top 2, tu vois, parce que je savais que ça allait faire gueuler les gens, tu vois. Et au final, pas tellement. Alors. Ok, d'accord. Je vois où c'est. Et là, j'ai maté la map en 7 secondes et demie, hein, donc ça se trouve, je risque de me faire niquer, hein.
C'est à l'épisode 77 que le nouvel arc commence. Ouais, bah. Moi, c'est mort. Je mate plus les fillers, là, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment nul à chier, quoi. Parce que là, les mecs, en fait, ils font des fillers pour faire des fillers, quoi. Ça sert à rien. Autant faire une pause et puis dire. Enfin, voilà, et puis reprendre quand le nouvel arc commence, quoi. Quel intérêt de nous foutre des épisodes dont tout le monde se branle. Mais putain, mais c'est pas par là! Mais oh non, mais ça prend la tête là! Ça me prend la tête! C'est quoi ce délire là? Montre-moi la carte, fils de pute! Non, mais je suis parti où là? Donc. Gauche. Et à la deuxième gauche. Alors, gauche. Ah voilà, et gauche ici. Ah voilà. Pas assez de barbe. Même le tournage, je pense que ce sera... Oh, le tournage, c'est de la merde. C'est lourd, l'humour bigard. Moi, je trouve Bigard plus drôle que Deadpool. Hein. Moi, je comprends, le film a été beaucoup plus hypé que ça aurait dû l'être. Au final, le film est pas si ouf. Aussi, je suis d'accord, Deadpool, c'est pour la FDP de hipster de 14 ans qui ont des piercings et les cheveux rouges avec Harley Quinn en photo de profil Facebook. Sinon, ça te tente pas de faire des live streams de chasse Pokémon Shiny? Trop pas, mec. Ah, tellement pas, gros. Y a rien de plus chiant que... Mais les Shiny, je m'en bats les couilles, en plus, donc... Puis je peux pas capturer la 3DS. Comment on fait pour capturer la 3DS? Il faut la modifier, non? Bah... Goofist, en fait, c'est pas le délire du personnage. J'aime bien le personnage de Deadpool. C'est qu'en fait, le film était trop axé beauf et blague de beauf. C'est ça que j'ai pas aimé, en fait. Sinon, le film, c'est ce que je dis, le film est pas mal fait, machin, tu vois. Mais c'était trop beauf, quoi. Moi, j'en avais marre, quoi. Toutes les blagues, j'étais mal à l'aise. Je me suis dit, non, mais c'est nul, quoi. Ah, attends, je sais même pas où faut que j'aille. Au restaurant Jing. Restaurant Jing. Attends, j'ai demandé à quelqu'un. Ah, mais c'est pas ça. Ouais, laisse tomber, je vais chercher par moi-même, ils font pitié les gens. Sodeska. Site qui aime les commentaires des haineux. De quoi? Bigard, c'est la facilité avec les vannes de cul, mais c'est maîtrisé, il est drôle. Faut acheter un capture 3DS, c'est hyper rush. Ah ouais, d'accord. Uncharted et non Uncharted. Exactement, Mathéo. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Rachel. Alors Rachel, on lui fait confiance, parce que, voilà, c'est sa langue de base, donc, elle va pas casser les couilles. Alors, donc, c'était le Jing, je sais pas quoi, là. Monsieur Wong. D'accord, donc, il n'y a pas du tout le truc, déjà, donc, c'est pas mal. Putain, il n'y a pas. Ah, si, il est là. Ah, mais je suis à côté. À côté, alors attends, par contre, il est où alors? Du coup, c'est là-dedans. Non, c'est pas là. Putain. Je me marre plus devant, hein. Et si Jean-Jean choisissait 5 jeux de ma collection? Donc c'est pas là du tout, ok. J'avoue, la vanne, quoi, il a la main qui repousse et qu'il sous-entend qu'il va se branler. C'est même pas ce... C'est un tout, mec, toutes les vannes étaient nulles, enfin... Moi, je te jure, j'étais mal à l'aise pour chaque vanne, quoi. Ah, c'est pas un malaise, genre, mon dieu, genre j'étais choqué de la vanne, non. Il en faut un peu beaucoup pour me choquer quand même, tu vois. Mais c'est surtout que c'était pas drôle, quoi. J'étais mal à l'aise parce que c'était pas drôle.
Alors attendez, là on a un problème là. La map m'indique clairement. Que le machin dîner est là quoi. Ah mais non, attends, je confonds avec un autre resto. En fait il est plus loin. Il est là. C'est ça non? Putain mais c'est écrit en IAC, bordel à cul, comment tu veux? Ouais ça doit être ça. Ah bah oui c'est écrit sur le teco. Kokodane. Un bistrot qui fait l'angle d'une rue, si je me souviens bien. Oh, c'est fermé. Oh non. Putain. Vas-y, je vais rester là, du coup, et il ira se coucher par lui-même, ce bâtard. C'est bon. Kirby qui claque 500 balles dans les soldes. Ah, écoute, mec, chacun fait ce qu'il veut. Qui est chaud pour choquer Sid? Salut Pixel Nara. C'est vrai que là-dessus les vannes sont pas drôles, mais c'est aussi la marque de fabrique de Deadpool des comics. Oui, mais. En fait, dans les comics ça passe mieux parce que c'est un humour de comics. En BD ça passe, tu vois. Mais je sais pas, au cinéma, enfin. C'est trop beau. Il y a trop de films comme ça, tu vois. Dans les comics, je trouve ça passe mieux. Ouais, je vais attendre là. C'est à quelle heure qu'il va se coucher ce bâtard? Est-ce que je peux me TP peut-être au dodo direct? Non? Ouais, pourquoi je demande ça? Attends, je vais save déjà. On va attendre. Hein. Comme ça, demain, après là, je me réveille, je retaf. Et après, comme ça, je me TP direct ici. Et je continue. C'est de l'humour American Pie avec un super-héros. Non, mais American Pie, c'est drôle, quoi. C'est ça, le problème. C'est une autre ambiance, quoi. Tu peux pas comparer ça et American Pie, quoi. C'est pas la même chose. Aladdin de Kev. C'est pas lui qui l'a fait, hein. Enfin, bref, c'est... Ouais, Aladdin, ouais. Je l'ai même pas vu en entier, pour te dire. Je l'ai maté par curiosité, j'ai dû mater une demi-heure. De la merde. Salut Grouch. Ah, c'est magnifique, hein, de Shenmue. Hein. Voilà. Voilà. Voilà qui résume Shenmue, en fait. Les deux. L'attente. Même Shenmue 3, ça peut le résumer, l'attente. Le problème, c'est que je peux même pas faire de coupure. Si à la limite. À la limite, je fais une coupe. Enfin, j'arrête pas le stream, mais j'arrête la capture. Comme ça. Après, on repart sur une autre vidéo. Comme ça, entre temps, j'ai le temps d'aller me chercher à manger. On fait ça? Allez, on fait ça. Bon, bah, bye bye YouTube. Des bisous. Et puis, à très bientôt.